Ils reposeront désormais en paix dans cette nouvelle clôture. Les âmes des personnes enterrées dans ce cimetière à Nioubel, dans le deuxième arrondissement de Douala, ne seront plus perturbées par les individus sans foi ni loi. Vous savez que c'était devenu un refuge de fumeurs, de chanvre, de je ne sais pas quoi, on y mettait tout. Il y avait même le trafic des ossements humains. Alors, quelle horreur de savoir que les gens ne peuvent même plus respecter les corps. C'est-à-dire qu'ils vont, ils déterrent les corps. Ils procèdent au trafic des ossements humains et ça ne dit rien à personne. Heureusement, Madame le maire a tenu à sécuriser cet endroit-là pour que ceux qui nous ont précédés reposent en paix. Comme nous avons souvent dit, lorsque nous les inhumons, on dit qu'ils reposent en paix. Le projet réalisé en plus de 4 mois est financé par le budget 2022 de la commune d'arrondissement de Douala 2e et a coûté une centaine de millions de francs CFA. Sa matérialisation fait partie du cahier des charges de collectivité sur l'entretien des cimetières d'après la loi. Au cours de cette cérémonie d'inauguration ce 1er mars 2023, la mairie de Douala 2e présente des engins qui serviront à la pré-collecte des ordures ménagères dans cet arrondissement. Il s'agit de 10 tricycles. Celle de la pré-collecte des ordures ménagères. Et vous voyez, derrière moi, il y a déjà des tricycles qui vont s'occuper de cette tâche-là. Parce qu'on a toujours comme l'impression que c'est la communauté urbaine qui doit faire. Non, la loi spécifiée, la pré-collecte, c'est les communes d'arrondissement. Maintenant, le traitement des ordures, enlèvement et traitement, c'est la communauté urbaine. Et je crois que Madame le maire a bien compris. Les motos vont nous servir pendant la journée de la propriété, ça va nous aider parce qu'il y a des moments où quand on travaille, Isaac ne vient pas tellement rapidement pour enlever les ordures. Donc les motos là sont pour nous servir, que bon, on les appelle de tel coin on est en train de travailler pour qu'ils viennent nous aider à enlever les ordures. La sécurisation et la modernisation de ce cimetière ont été précédées quelques mois avant par le déguerpissement de plusieurs familles installées dans son enceinte.